Le Sorento est le grand SUV de Kia placé dans la gamme au-dessus du Sportage. Ses 4,78 m de long le placent en face de son cousin technique Santa Fe et lui permettent de toiser le Skoda Kodiaq de 8 cm. Lancé début 2015 uniquement en diesel de 200 chevaux avec transmission intégrale, il est disponible depuis fin 2016 également en version 2 roues motrices afin de faire baisser à la fois le tarif et les émissions de CO2. Tous les Sorento vendus en France sont dotés de 7 places en série. Notre modèle d'essai est en finition intermédiaire appelée Premium, doté de roues de 17 pouces qui paraissent presque petites. La présentation intérieure est plutôt flatteuse, avec des plastiques moussés placés même assez bas. L'équipement est complet, avec un siège conducteur électrique en cuir et un toit vitré panoramique de série. À l'arrière, on trouve une banquette coulissante en 2/3, mais la place centrale n'est pas très accueillante. L'accès aux places du 3e rang nécessite pas mal de contorsions, mais une fois installés, les passagers y sont plutôt bien assis. L'habitabilité est correcte, sauf pour la garde au toit en 3e rangée. Le coffre atteint les 600 dm3 en configuration 5 places, pas mal, mais un Kodiaq fait mieux. Le gros 4 cylindres diesel manque de discrétion à froid, mais devient moins causant ensuite. Il se montre souple, reprend volontiers dès 1500 tours et relance assez facilement même sur autoroute. Il faut dire que notre modèle avec 2 roues motrices et boîte manuelle pèse 80 kg de moins que la version à transmission intégrale et boîte automatique. Par rapport à cette dernière, il gagne presque une seconde pour passer de 0 à 100. Côté châssis, le Sorento n'a aucune prétention dynamique et joue surtout la carte du confort, spécialement avec les roues de 17 pouces et malgré un roulis sensible. Côté budget, le passage simultané de 4 à 2 roues motrices et de boîte automatique à boîte manuelle permet de réduire les consommations, donc les émissions de CO2, et donc dans le cas présent, le malus écologique qui passe de 5600 à 1300 euros. L'écart de tarif atteint pour sa part les 1500 euros. En cumulant les deux, on frise donc les 6000 euros de moins pour la version 2 roues motrices, juste à l'achat. Et si vous n'avez pas besoin d'un tel niveau d'équipement, le Sorento démarre désormais à 37 000 euros, toujours avec une belle présentation, beaucoup d'espace et la toujours unique garantie 7 ans.